Trouver le vainqueur des Palmes e-commerce 2010, telle est la mission de notre jury. Professionnels avertis du web, leur flair est reconnu par tous et il récompensera le meilleur projet de création de site e-commerce en lui donnant un prix d'une valeur de 50 000 euros. Salut à tous, moi c'est Victor, de Lisboa.com. Moi j'organise des voyages en ligne, moins chers que gratuits. Une épicerie par internet, 100% made in Tunisie. Parce que les gens en ont marre de manger des steaks frites, des purées jambon, des hamburgers. Faut que ce soit un peu tendance Psouhri, Bijilouche, Kamia, Keila, Demho, des trucs un petit peu, que ça change un peu quoi. Je te mets la radio, pire, comme ça, t'as plus rien à faire. En plus j'ai la musique dans la tête. Tunis Online. Tunis Online. Ta-ta-na, ta-ta-na. Voilà, alors moi mon projet c'est de vendre sur internet des vêtements super tendance pour femmes. Oui d'accord, mais vous savez que c'est un secteur qui est assez prisé, est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché? Ah non, mais vous avez rien compris, moi je veux les vendre sur le web, pas sur un marché. Hein. Vous passez à côté de quelque chose, le Lavo Computer. Et on va vous demander de vous téléporter par contre. D'accord, ça, vous l'aurez cherché. Et je ferai leur messagerie avec des Whatstar. D'accord, un exemple? Johnny Hallyday. Mm-hmm. Salut, je suis avec le patron de chez Chris et avec Laetitia. Tu me rappelles? Ouais, tu rappelles tous vos numéros? Gainsbourg. Vous les femmes, vous le charme. Oui, c'est pas lui qui chante ça, c'est pas grave. Il l'a rechanté, 84. D'accord. Au terme de journées longues et fatigantes, notre jury n'a toujours pas trouvé. Serez-vous capable de séduire nos insatiables jurés? Qui sera le grand vainqueur des Palmes e-commerce 2010? Peut-être vous. Pour le savoir, un seul moyen, déposez votre candidature. And all.